Et bien c'est parti. Donc il y a des chances aujourd'hui que vous entendiez euh, du bruit de ventilo. J'ai laissé tourner un maximum. Euh, c'est de, de mieux en mieux cette édition de MacBook 2020. Dès qu'on lui fait du trafic sur les ports USB, c'est une cata. Bref, c'est pas grave. On va réussir à faire quelque chose de toute façon. Si ça frise, j'ai sorti le le Ventilateur rose et il fait même pas chaud chez moi, alexis fait, ben regarde, j'ai un 24. Alors, ça, ça a chauffé un peu parce que je suis sous les combles. Il fait 24 degrés dans la pièce, donc on peut pas dire qu'il fasse particulièrement chaud. Non, c'est un problème. Euh, plus j'en parle autour de moi, plus il est euh, connu et reconnu. Les MacBook 2020 ont un souci euh, qui visiblement se situe au niveau de. Du trafic sur les ports USB Thunderbolt et euh, comme là j'ai un écran externe euh, dans les trucs qui consomment un peu bah, j'ai la caméra et j'ai pas encore mis en route mais je vais avoir euh, la switch qui euh, passe par euh, qui balance son flux USB aussi euh, par une carte d'acquisition donc euh, ouais c'est dommage parce que les modèles avant avaient pas ce problème les modèles de maintenant ont encore moins le problème c'est pas de peau je suis tombé sur la mauvaise série, c'est pas très grave. Ah, c'est pas un spoiler, Bebox. J'en ai reparlé après coup. C'était pour vous taquiner. Et euh, eh ben, on va y aller sans plus attendre, en se disant que on va voir jusqu'où ça tient. Si jamais ça se met à saccader, je compte sur vous pour me mettre des messages pour me prévenir. Euh, je vais surveiller la température en même temps. Allez, je prends le risque de passer en mode un peu plus silencieux sur la ventilation. On va voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui euh, bah, je vais euh, faire une présentation de Fuse 4 dont je vous ai parlé dans une précédente émission. Euh, si ça accroche, de euh, toute façon moi ça me plaît bien. Je, je pense s'il y a des gens qui sont intéressés en tout cas, que je ferai une petite série de tutos. Donc celle-ci euh, j'extrairai de, de l'émission Calme de quoi, de quoi faire des tutos. Donc euh, c'est parti. Hop euh, rapidement euh, hop, comme dirait Kong on commence par rappeler à tout le monde que il y a un Discord avec cette émission et les trucs que je fais sur ma chaîne YouTube et sur Twitch avec tous les gens qui souhaitent partager euh, tout ce qui va être autour de, bah, de de projets un peu de maker de l'électronique du code et, euh, et je vais rentrer dans les détails de Fuse 4 aujourd'hui. Euh, donc, euh, je prendrai les questions à la volée. C'est euh, un programme pour la Switch, la Nintendo Switch, qui est en fait euh, une application permettant de coder des jeux, en fait. Enfin, de coder tout court, en l'occurrence. Mais qui est faite pour coder aussi des jeux. Euh, je vous ai mis la page là, sur le sur eShop, le e c'est pas très cher, hein, 15 euros. Euh, quand j'ai vu ce prix-là, j'ai dit il faut absolument que j'essaye, c'est obligé. Euh, tac tac tac. Ouais donc là c'est la page du c'est la page du shop, sans plus hein, d'intérêt. Euh, je vais quand même, pour ceux que ça intéresserait maintenant, ça sera de toute façon dans les commentaires sous la vidéo. Mais je vous mets... Hop, alors, quand ça décide de pas marcher, on passe par. Hop. C'est juste. Il ouais, décide de pas me donner. Ouais. Ok. Hop, on va faire par là. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était la page du shop. Je vous donne la page bah, de l'entreprise qui est derrière tout ça derrière fuse Donc oui euh, on va voir dans le détail mais euh, eux ils appellent ça le basique mais euh, c'est comme tout euh, on a tellement mis de choses dans les mots basiques oui ça ressemble à du basique tu verras il ya des numéros de ligne il ya des instructions qui ressemblent mais euh, à la limite peu importe on va appeler ça le langage fuse for script. Je ne sais pas s'ils veulent absolument appeler ça euh, basique. Je trouve ça dommage parce que c'est... Voilà, peu importe. Hop. Donc, sur le site, bah, c'est euh, ce que je vous ai montré dans l'autre émission. Euh... <coughs> vous allez avoir... Alors, il y a l'accès à deux, deux PDF plutôt bien foutus pour, euh, bah, pour faire les premiers pas. On va le faire ensemble à quelques le quelques World. Euh, et puis après, on attaque la partie graphique et tout. C'est plutôt bien fait. Euh, et euh, en même temps, vous avez une partie shop euh, qui permet d'acheter euh, des. Alors, ils ont un bouquin supplémentaire et puis ils ont des packs après euh, qui comprennent euh, la switch, euh, leur bouquin, un clavier, les accessoires nécessaires et euh, ce que je disais l'autre jour, le grand mystère pour moi, ce qu'ils appellent le Fuse 840 Socket Breadboard qui ressemble à une Breadboard. J'ai posé la question justement donc, sur le forum Fuse Arena, c'est un peu l'endroit où ils gèrent leur communauté donc ils font. Euh, ils font leur showcases, leurs concours, les trucs comme ça. Donc c'est un forum tout ce qui est de plus classique. Et donc comme vous voyez, voilà, j'ai posé la question. Et j'ai la réponse. Il, la, la breadboard qui est toujours en vente, c'est qu'avant, visiblement, ils avaient un environnement. J'ai pas creusé l'historique. Ça sera à faire. Ils avaient un environnement, visiblement, qui marchait sur Raspberry. Ok, j'ai ma réponse. Donc voilà, je pense qu'avec ces, ces trois sites, le premier pour l'acheter, le deuxième, euh, je vous dirais qu'il n'y a pas pour l'instant grand chose. Ils ont des ateliers euh, pour les écoles ou euh, pendant les vacances auxquels on peut s'inscrire. J'en sais pas plus parce que pour l'instant, ils ne les ont pas remis en route euh, avec la pandémie, visiblement. Euh, mais ça sera intéressant de voir euh, ce qu'ils qu proposent. En tout cas, déjà, avec les, les tutos qu'ils ont, euh, je pense qu'il y a déjà de, de quoi faire. Il y a déjà matière. Et donc, allons-y, allons-y. Je démarre la switch. Donc, euh, pour, euh, pour coder, en fait, vous pouvez directement depuis la switch utiliser un. Là, je ne pourrais pas le faire parce que j'ai le doc officiel. Je vais acheter un doc qui me permettra de manipuler, de euh, récupérer la sortie HDMI, mais continuer d'utiliser euh, en mode portable. Euh, quand vous êtes juste avec la switch, vous pouvez utiliser. L'écran qui est tactile, il y a un, un clavier qui apparaît sur l'écran, un clavier euh, comme vous avez sur vos téléphones ou vos tablettes. Et sinon, bah là, je l'ai branché dans le, dans le doc officiel qui me permet de choper le HDMI avec une carte d'acquisition, mais surtout de brancher une, euh, un clavier. Enfin, un clavier, euh, tout ce qu'il y, euh, qu y a de plus clavier hein, euh, en USB. C'est ce que je vais utiliser là et je vais essayer de vous partager. On va voir si ça part. Hop. Est-ce que ça veut bien démarrer Ouais. Donc il faut que je pense aussi. Normalement on peut faire la plupart des opérations après avec le clavier. Après, il y en a certaines qui sont quand même plus pratiques avec, euh, avec les joy-con. Euh, donc euh, voilà, ça fait partie de votre bibliothèque euh, comme n'importe quel autre jeu que vous pouvez avoir. Voilà, c'est parti. Coucou Elliot au passage, c'est son profil. Euh, et donc, euh, en introduction, là je l'ai laissé pour l'instant pour vous montrer, vous êtes accueilli avec un, un petit euh, quick tour euh, qui va vous montrer les différentes parties. Donc, il y a une partie qui va être l'éditeur de code. Euh, moi, j'aurais plutôt mis d'ailleurs la partie qu'on voit après qui s'appelle programme parce qu'il faut d'abord aller choisir le programme euh, pour aller l'éditer. Parce que la particularité euh, qui est liée de toute façon à l'écosystème Nintendo qui veut rien savoir, donc. Euh, vous ne vendrez pas vos jeux faits avec Fuse 4, vous ne pourrez pas cacher votre code parce que ça ne marche pas. Et il euh, y a aussi, on verra après, la gestion des assets. On ne peut pas mettre des images sur sa carte SD et télécharger c'est contraire à toutes les règles de développement chez Nintendo. Donc c'est comme ça. Donc l'éditeur de code euh, une partie média où vous allez pouvoir euh, aller poser vos, vos éléments euh, euh, graphiques et vos fichiers audio. Enfin, vous, vous allez les poser, vous allez utiliser leurs éditeurs euh, et dessiner à la main ou utiliser les librairies euh, existantes. Vous avez la partie programme qu'on va aller voir, qui contiendra à la fois euh, vos programmes que vous codez et ceux que vos amis peuvent partager, plus ceux que Fuse met en avant. Donc on verra après. Euh, donc là après, c'est quand vous voulez vraiment euh, gérer un projet que vous allez partager, il y a des informations à mettre en plus. J'ai encore rien fait là dedans pour l'instant. Là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il y a la partie Share » pour partager euh, vos codes, vos jeux. Euh, ça sert aussi. Il faut que je le fasse. Il y a un Discord, euh, mais euh, il faut valider dans ce Discord que vous avez bien acheté le jeu. Et donc, il faut publier un jeu. Ça vous donne un, un jeu, un bout de code. Ils s'en foutent un peu, importe, euh, qui prouve que vous avez en fait le jeu. Ils vous acceptent sur le Discord. Euh, dans la partie Tools, c'est là où vous allez voir les, les éditeurs euh, graphiques et euh, les map editors. En bruit de fond, je remercie ma chaîne qui est en train de ronfler, donc vous devez en profiter au passage. Euh, dans les settings, vous allez avoir les apparences visuelles parce qu'on peut changer les couleurs, je vous montre rapidement ça. Et puis la partie aide qui est plutôt riche. Euh, par quoi je vais commencer euh, Je peux par exemple vite fait vous montrer la partie settings. Euh, J'ai pas encore réussi à repiquer le son là, avec, mon, avec mon setup, ça marche quand je suis sur la télé, mais là. En repiquant par ma carte son, ça ne marche pas. Donc on, on vous propose des réglages sur, sur le, le son, euh, sur la partie apparence. Vous allez pouvoir euh, changer euh, voilà, la partie visuelle. Je vous montrer la, la petite euh, interface qui change, notamment avec un décor type euh, Spectrum. Ah, pas gênant le son, je suis pas d'accord avec toi, parce que le premier truc que je vais faire, c'est faire un, un petit tracker ou un truc comme ça. C'est trop rigolo. Euh, tac tac tac. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Moi, je reste sur fuse original parce que les contrastes sont bons. Euh, sont bons. Quand je vous dis que les contrastes sont bons, c'est si je reviens en arrière. vous voyez là, on voit moins et encore moins ici. Euh, le petit cadre de sélection blanc sur, autour du qui est autour des carrés noirs, je trouve qu'on ne le voit pas terrible. Donc. Euh Non mais vous m'entendez moi, mais euh, ce que je veux dire c'est que vous n'allez pas entendre le son du euh, qui va venir éventuellement de, des jeux et euh, de ce qu'on peut coder. C'est ça qui est dommage, mais je trouverai un moyen de vous, de vous le faire. Voilà, il la partie préférence euh, qui vous dit est-ce que vous voulez faire euh, vibrer euh, quand il y a des actions particulières, euh, enfin bref, voilà. On peut avoir un affichage... Euh, des, des FPS, moi j'ai désactivé pour l'instant le, le clavier tactile par défaut, je vous le montrerai quand même pour que vous voyez le, le visuel. Euh, le deuxième point qui me semble intéressant c'est la partie programme où vous allez avoir en fait euh, tous les jeux euh, validés par Fuse. Euh, j'ai pas encore testé euh, si les jeux alors les jeux quand je dis euh, en mode share ça atterrit euh, uniquement auprès de vos contacts qui ont le jeu. Après il faut, il y a le c'est là où il y a la partie project qu'on a vu avant, euh, vous le soumettez à Fuse et ça atterrit à ce moment-là sur cette page. Euh, donc il y a un peu de tout, des platformers, vous voyez, il y a un sound SoundFX Generator, des, des jeux classiques, plus ou moins, hein, il y a un peu de tout. Euh, si je vous lance, je ne sais pas, qu'est-ce que... Avec un vectroid. Donc, euh, ce que je vous dis, c'est quand on sélectionne, on se retrouve dans l'éditeur de code, comme si c'était votre application. Vous avez le droit, de, de toute façon, de la copier, d'éditer le code vous-même, et surtout d'apprendre de ce qu'en font les autres. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, je vais vous le lancer. Vous voyez la gueule que ça a. Hop. Voilà, donc, évidemment, de toute façon, comme euh, j'ai pas joué du tout à ces jeux, et puis que c'est pas ma cam, pas cela en tout cas. Voilà, on peut, on peut jouer comme ça. On peut jouer comme ça dans ce mode-là. Un petit vectrex, voilà, vous ne bougez pas. Et l'écran diminue et vous devez euh, éliminer tous les astéroïdes avant d'arriver euh, arriver là. Hop. De toute façon, ce n'est pas exactement là-dessus que je voulais passer le plus de temps. Donc là, euh, si jamais... Ben là, on a, quand on sort, on le voit d'ailleurs. Si, si on va dans l'éditeur de code, euh, il montre le dernier jeu qui a été lancé. Hein. En l'occurrence, c'était la démo qu'on vient, qu vient de regarder. Euh, pour lancer un un nouveau programme dans la partie programme tout à l'heure je vous ai pas montré mais quand on est ici vous voyez il vous indique que en appuyant sur R on passe sur la partie My Programs donc là il y a tous ceux que j'ai euh, que j'ai créé euh, je pourrais vous faire à partir de new project mais euh, je ferai ça plutôt dans des vidéos euh, entièrement dédiées pour faire vraiment le détail mais quand vous lancez vous êtes arrivé dans un dans un premier bout d'application vous allez pouvoir taper votre code donc voilà la tête que ça a euh, je sais pas si je peux zoomer un peu je crois qu'il y avait un truc, enfin, peut-être pas bon. j'espère que c'est assez lisible euh, là c'est un j'ai suivi euh, un des bouts d'exemples euh, qui sont euh, dans les, les deux bouquins que je vous ai indiqué tout à l'heure et euh, ça commence avec euh, avec un simple ouais, un simple print -over. je pourrais bien vous faire ça quand même je, je fais la feignasse là quand même je fais la feignasse, allez, on va se le faire. Donc là si je le fais au clavier, si je dis pas de bêtises, hop, escape ça correspond à, à la touche B. Euh, toc, les flèches fonctionnent. Là je fais tout au clavier. Hein. Je vais faire New Project. Donc là, il vous demande le nom du projet. On va pas faire Hello World, on va faire Hello Calm. Hop. On vous demande le créateur du projet. Hop. Et une description tout à fait pertinente, bien entendu. Et là il faut que je fasse... Je vais être obligé de faire au Joy-Con, je crois. Il faut que je confirme avec plus. Voilà. Je n'ai pas encore trouvé une installation, il faut que je prenne le... J'ai un... un pad pour accrocher les, les éléments. Il faudra que je le récupère. Euh... Tac tac tac. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Oui, donc là, une fois qu'on est là, ben, le, le code, on peut le saisir, hein. on peut le saisir directement au clavier. Euh, si je j'essaie en même temps de me rappeler s'ils avaient des trucs particuliers à vous montrer, non, on va le faire tant pis, on va le faire comme ça, c'est pas très grave. Donc euh, ben tout simplement, je vais prendre deux secondes là parce que du coup j'ai deux claviers pour m'installer à peu près correctement espérant que je ne vais pas déclencher je sais pas quoi, sur le Mac en même temps déjà qui chauffe bichette. Euh, donc le, comme vous le voyez là au passage la, la coloration, là, tant qu'il ne connaît pas il laisse en blanc. À partir du moment où il met un bleu ciel c'est que vous êtes tombé sur un, un des keywords ou une des fonctions qu'il connaît. Alors c'est les fonctions, les keywords ils doivent être en rouge. Euh, fonction parce qu'il va y avoir des parenthèses pour mettre des paramètres. Euh, et puis ben, vous mettez une chaîne de caractères délimitée par des guillemets. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans à peu près euh, tous les langages du monde. Hein, vous allez afficher à l'écran euh, la chaîne que vous avez visée. L'instruction print, entre parenthèses, pour dire que vous avez un paramètre à mettre dedans. Je rappelle que les paramètres, euh, j'en ai parlé dans plein de, de vidéos, c'est valable dans tous les programmes. C'est euh, des choses dont la petite fonction a besoin pour, pour fonctionner. Euh, si vous faites comme ça, si je vous le lance, vous allez avoir le temps de rien voir du tout, je pense, même rien voir du tout. Voilà. Il euh, y a une petite spécificité à Fuse, c'est que en fait tout ce que vous exécutez comme code, s'il doit avoir une interaction avec l'écran, il euh, y a un système de buffer derrière qui est transparent pour vous au départ. Et il faut utiliser l'instruction update pour qu'il euh, mette à jour et qu'il affiche réellement ce qui s'est passé en termes de buffer. Mais là aussi, euh, vous n'allez rien voir pour la bonne et simple raison euh, que quand il a fini le code, et ben, euh il revient à l'éditeur et là, euh, surtout avec le, surtout avec le, l'intermédiaire le, au milieu, la, la carte de capture et tout, les quelques millisecondes. Là, vous les voyez pas. Donc, on va rajouter pour commencer une instruction euh, qui fait une pause qui s'appelle sleep Et là, vous passez bien dans votre programme. Ça l'a affiché. C'est resté deux secondes affiché. Je vous le remontre. Voilà, ça reste deux secondes et ça revient à l'éditeur. Donc, euh, bah, de la même façon. Euh, on peut, on peut continuer et aboutir à un peu ce que, ce que vous aviez tout à l'heure dans, dans mon programme d'exemple. De toute façon, c'est une overview de, de ce qu'on peut faire. Donc, il y a une autre instruction qui permet de faire des boucles qui s'appelle loop. Vous voyez que comme c'est un mot-clé et non pas une fonction, c'est en rouge. Donc il n'y a pas, pas besoin de paramètres. Et à la fin d'une boucle, eh bien, quand on arrive à la fin, on lui dit repeat. Et donc là, ce que vous allez avoir à l'écran, c'est que toutes les deux secondes, il va afficher print. Donc print étant une instruction qui affiche la chaîne, quand il a fini, il n'a pas imaginé qu'il y a un petit curseur, il ne l'a pas déplacé, donc la chaîne d'après, ben, elle va s'afficher au même endroit. <laughs> ça marche, ça marche Alex. Ouais, on va faire en sorte que ça, que ça marche tout ça. Euh, comme vous pouvez le voir, pour les allergiques qui n'aiment pas Python, mais pas moi, hein, bien sûr. Je parle pour certains spectateurs. On n'est pas obligé, vous voyez, de s'amuser avec de l'inventation si on n'a pas envie. Voilà. Alors c'est pas exactement la sortie standard dans le cadre de la Switch avec l'OS embarqué qui est derrière, mais c'est un peu l'idée. c'est... Il y a, y a une, zone, une zone graphique tampon qui est utilisée par Fuse et l'update permet de la, de la basculer réellement sur la sortie au niveau de l'écran. Donc moi je mets quand même des, des espaces pour, pour rendre le code un peu lisible mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de indent obligatoire et il n'y a pas non plus de point virgule et on ne voit pas la compilation. Et bim pour le C aussi. <laughs> euh, ce qu'on peut faire... Euh, pour que ça fonctionne euh, là par défaut, euh, la fonction print. Alors, on va voir si j'ai de bons souvenirs. Si on la met toute seule, et puis on va faire un update un peu plus court. Voilà. Voilà, c'est ce que c'est ce, ce qui me semblait. Là, ce qui s'est passé, si vous regardez le, le code, c'est que j'ai rajouté un print sans aucune euh, information dedans à afficher, et il considère qu'on veut juste sauter à la ligne. Donc, c'est une autre façon de, de fonctionner. Pour que ça soit. Alors, on peut aller plus ou moins vite en changeant l'instruction slip, mais on peut aussi, pour que ça soit un peu plus intéressant, alors je vais le mettre avant la boucle, mais je n'ai pas prétention dans cette vidéo de tout vous montrer. Mais ça permet de comprendre ce qui se passe dans une boucle ou en dehors d'une boucle. Euh, là. Tiens d'ailleurs c'est peut-être l'occasion que je vous montre un petit peu comment l'aide intégrée fonctionne. Tiens, on va faire ça aussi. Hop. Donc là j'ai utilisé l'instruction ink, encre qui va changer la couleur du texte. Et j'ai utilisé le mot fuse pink, qui est juste une valeur. C'est une valeur numérique. Vous pouvez mettre entre 0 et 100. Entre 0 et 115, c'est ça. Il y a 116 couleurs par défaut comme ça pour écrire. Euh, si je vous fais... Alors si j'appuie sur R, voilà, ça vous ouvre. La LED, mon curseur étant sur la méthode ink, ça vous explique ce que ink est censé faire. Voilà, avec un argument couleur euh, qui peut être passé de différentes façons. Euh, ici, j'ai utilisé le, un mot-clé qui, euh, qui est une des valeurs entre 0 et 115. Voilà, donc au passage, si vous êtes curieux, l'ordoc est bien faite parce que j'ai regardé ink. Si vous regardez le petit exemple et que vous êtes curieux, vous voyez qu'on a la fonction Text Size qui va permettre aussi de changer la taille du texte. Donc je trouve que c'est plutôt bien foutu comme doc. On peut accéder à la documentation en dehors pour la lire juste comme ça, hein, si on le souhaite. Et il faut que je retrouve le lien, mais je pense que si je me rappelle bien, il y a un lien qui permet de voir toute la doc, toute cette doc là sur, sur leur site. Il faudra que je le retrouve d'ailleurs. Parce que c'est quand même pratique. Euh, on peut zoomer sur la doc. Et on peut revenir soit avec la touche B, soit avec Échappe ». Euh, donc je vais quand même vous montrer le magnifique résultat. Voilà. Euh, si on le souhaite, il y a aussi un peu plus intéressant à faire. Et ça je l'avais eu fait. Quand je fais tout ça, je me rappelle exactement les programmes que je récupérais et que j'essayais euh, euh, sur, mon, sur mon spectrum. Alors il y a des fonctions de saisie, j'ai pas encore tous les raccourcis clavier en tête. Mais il y a des copier-coller quand même pour vous aider un peu. Voilà. Et là, donc si je le mets là, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui sera intéressant, c'est de changer de couleur à chaque fois qu'on affiche une nouvelle fois euh, la chaîne et local. Et on peut utiliser une fonction aléatoire, qui est la fonction random, comme dans beaucoup de langages. Voilà, ouais, moi aussi, Vbox, euh, ça me rappelle beaucoup quand j'étais Mo, mais je trouve ça génial, franchement. Euh, J'ai regardé deux démos et le fait de voir ce genre de choses moi ça m'a convaincu mais tout de suite. Donc euh, random va vous euh, fournir euh, une valeur. Donc là je lui mets 116 avec la petite astuce de random. D'ailleurs je peux vous montrer la doc si vous voulez, mais je peux aussi vous le dire, c'est que euh, ben, ça va choisir une valeur entre 0 et la valeur que vous avez indiquée, mais exclue, c'est-à-dire ici entre 0 et 115. Voilà, ça vous donne. On peut utiliser aussi la commande RND, qui est un raccourci euh, si on veut pas taper tout ça. Et euh, on peut lui faire des randoms. Alors il y a plusieurs types de randoms. Euh, là c'était en entier. On peut lui demander aussi en, en nombre euh, à virgule, les floats. Voilà. Donc là, on lui, a, je vous rappelle, ce qu'on a changé. On a rajouté euh, inc pour changer la couleur de manière random. Et donc, normalement, si tout va bien, à chaque fois qu'on affiche une chaîne, elle est affichée dans une couleur différente. Voilà. Et euh, sans aucun blabla, moi, je, je trouve ça marrant, mais je vous promets que c'est le genre de choses euh, pas plus compliqué que vous pouvez faire avec des enfants euh, des 6-7 ans. Alors, euh, moi, je le fais souvent avec du Python, mais euh, il y a d'autres langages accessibles. Il y a des... Il y a des des versions de basique hein, qui marchent sur Linux, sur Windows, sur macOS. On, on pourrait en parler. Hein, des, des versions qui existent. Là, celui-ci, il y a plein de façons d'utiliser de, des choses très graphiques assez facilement. Mais ça existe aussi sur vos machines si vous n'avez pas de switch. Mais je trouve que c'est un bon moyen de, bah, de rendre ça intéressant. Et les enfants, je vous promets que ça les intéresse. Ça, ça paraît surprenant, mais ça les intéresse. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer ensuite Il euh, faudrait que je retourne voir mon, mon exemple. Ouais, je vais vous faire, c'est déjà l'admis. je vais vous montrer les autres bouts de code que j'avais fait à partir des les suivis, les, les deux guides. Donc là, j'en suis toujours dans le premier, j'y vais tranquillou. Je voulais voir ce qui était possible. Donc là, je retourne dans programme. je suis resté dans My Programs comme tout à l'heure. Et euh, on va en avoir deux, celui-là, celui qui est en cours. Voilà, une petite balle qui rebondit à l'écran. Euh, si vous voulez rapidement, je vous explique ce que c'est censé faire. Euh, c'est pareil, c'est très bien indiqué euh, dans, le, dans le guide. Je ne sais pas si j'aurai l'énergie de le traduire en français parce qu'il est que en anglais. Et je sais que ben, c'est pas... Je pense qu'il y a des âges où on ne maîtrise pas, pas du tout encore l'anglais et on est pourtant parfaitement capable d'utiliser une switch et de coder. Donc c'est dommage de se limiter. Je vais essayer de faire des vidéos parce que ça, ça me prend un tout petit peu moins de temps que si je devais tout traduire. Euh, je verrai si... Euh, bah alors si vous, ça vous amuse, mais si vos enfants, ça les intéresse, euh, n'hésitez pas à me le dire euh, soit euh, euh, sur le Discord, soit sur mon Twitter, soit si vous voyez cette vidéo en, en replay sur YouTube, ou une fois montée, je ne sais pas encore comment je vais faire exactement. Si vos enfants, ça les intéresse vraiment, faut pas hésiter à me le dire, ça m'encouragera, parce que c'est du boulot, et je veux bien, je veux bien me, me passer en revue leur, leur PDF et, euh, et, et poster... Euh, poster pour que tout le monde en profite en français, je sais que ça aide pas mal. Donc là, si je vous résume ce qui se passe entre les lignes 8 et 21 qui sont euh, les lignes qui délimitent la boucle, euh, vous voyez qu'on a euh, une instruction qui s'appelle clear, son rôle ça va être d'effacer l'écran. Euh, je vous passe la petite sauce qui est en dessous, on va y revenir. Et à la fin, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser euh, la commande cycle qui dessine un cercle à l'écran avec comme... Euh, comme paramètre, euh, les coordonnées de son centre qui sont représentées ici par x et y. Euh, on a ensuite le rayon qui s'appelle radius ici. Euh, et ben je sais même plus, vous voyez, j'ai oublié. On va refaire un coup le deuxième. Ah oui, et euh, ensuite il y a le nombre de points qui est utilisé euh, pour euh, représenter ce cercle. Donc, puisque c'est euh, sous forme informatique, c'est en fait. Un polygone et plus on va mettre de points et plus ce sera un cercle joli j'ai laissé la 32 et après on peut spécifier une couleur et euh, le dernier paramètre hop, si on veut ah oui si on veut le, le, le surligner sur ouais. donc là ça va me dessiner un cercle blanc et puis on n'oublie pas la petite fonction update juste en dessous donc toute la petite tambouille que vous voyez sur x et y c'est pour déplacer euh, le cercle à l'écran euh, au tout début, en première ligne, je récupère la taille de l'écran. Euh, donc euh, Là, j'ai suivi leur tuto, je ferai la version en français. C'est euh, la largeur et la hauteur. Il euh, y a des instructions G8 et G8 qui permettent de récupérer la taille réelle de l'écran. Euh, C'est important parce qu'il n'y a pas la même résolution. Si vous êtes en mode... Euh, console euh, entre les mains par défaut, Fuse 4 n'a pas la même résolution que si vous êtes branché en HDMI. C'est un choix qu'ils ont fait. Euh, là, comme j'utilise le doc, je suis en full résolution. On va être en HD. C'est pour éviter de mettre des valeurs en dur, d'éviter de mettre 1920 par 1080 et ainsi de suite. Donc, ça récupère la largeur, la hauteur. Ensuite, on dit que le, le x et le y par défaut, on se met au milieu de l'écran. Je divise par deux hein, la largeur, la hauteur. Et vous avez ensuite les variables x speed et y speed qui représentent la vitesse sur l'axe des x et la vitesse sur l'axe des y. Donc dans la boucle en ligne 10 et 11, on va incrémenter euh, les coordonnées de notre cercle en fonction de la vitesse. Et puis on fait un petit test euh, pour savoir. C'est euh, là où je trouve que c'est intéressant parce que en, euh, franchement, si on suit le tuto, je pense qu'en une heure, un enfant il arrive à ce point-là. Et là, euh, il ne s'en rend pas compte, mais il est en train de faire des maths. Euh, Puisqu'on va regarder si le centre de l'écran plus euh, euh, son rayon, euh, si c'est plus grand que la taille de l'écran. Euh, ou euh, si euh, on se retrouve à la limite euh, à gauche de l'écran. Euh, le, le tuto est bien fait parce qu'au début on le test est fait uniquement sur la coordonnée X. Et si on teste, je, pff, je peux même vous le faire, Alors, je vais vous faire tourner le programme. Donc là on voit que ça va aller rebondir à peu près correctement. Euh, à un petit détail près parce que j'ai repéré un petit, euh, une petite astuce dans ce qui est montré euh, dans la résolution de l'écran utilisé par Fuse. Mais bon voilà ça fonctionne. Donc là ça fonctionne normalement. Euh, l'exemple, si euh, je me contente de tester, on va faire juste sur les X pour l'exemple. Si j'enlève le rayon, bien entendu, ça montre que l'instruction cycle, puisque tu peux avoir oublié en faisant le tutoriel que c'était le centre de l'écran. Là, en fait, euh, le centre, voilà, c'est comme si la, la balle s'enfonçait jusqu'à rencontrer le centre de, de la balle. Donc, je trouve intéressant parce que euh, leur approche, alors évidemment il n'y a pas le CTRL Z. Il y a quelques inconvénients à utiliser euh, évidemment une console avec euh, les restrictions euh, imposées par, euh, par Nintendo. Euh, C'est un peu dommage de ne pas pouvoir par exemple sauvegarder euh, sur euh, la carte mémoire euh, pour euh, avoir des versions par exemple. Ça permettrait d'avoir un, un petit archivage dans le temps. Donc il y a une astuce qui consiste à, à faire un share de votre programme régulièrement. Euh, le share étant entre amis, euh, ça, pour vous, ce que ça va faire, c'est qu'il y aura plusieurs versions. Vous mettez un nom avec je sais pas la date du jour. Et ça vous permet de conserver euh, les, les versions en cours de votre travail. Parce que si vous faites une faute et que vous ne savez plus où vous en êtes, euh, voilà. Il n'y a pas bien d'autres solutions dans le cadre de Nintendo. Moi je trouve que c'est quand même plutôt bien fichu. Euh, voilà je voulais pas vous, vous en montrer énormément plus hein. on, on peut bien sûr aller plus loin euh, qu'est ce que je peux faire qui soit pas trop long le, le, le tutoriel quand on continue après on crée un jeu de pong avec une raquette qu'on dessine à l'écran avec le rebond sur la raquette avec un principe de score enfin on voit toutes les bases pour, pour un jeu quoi donc moi moi je trouve ça vraiment bien fait et très intéressant quoi est-ce que rapidement je peux vous montrer un autre truc euh, Oui, il faut juste que je m'en rappelle où j'allais chercher dans le doc. Je vais chercher dans le doc. Euh, pac, pac, pac. Parce que là, on a fait des choses où on dessine vraiment tout. Mais, alors, c'est pas du tout ça que je voulais voir. Tant pis, on va l'essayer comme ça en direct. On va voir ce que ça donne. Depuis tout à l'heure, je me manipule le mauvais clavier, donc ça marche pas. Oui, pong la base, ça permet de voir plein de choses. Euh, plein de choses. Hop, on va retourner dans le programme. Euh, tac, on va reprendre le Hello Calm de tout à l'heure. Euh, hop. Donc, si je ne me trompe, si on veut gérer les images. Voilà, c'est l'eau d'image. Et ce que je ne sais plus, c'est comment on déclenche... Donc ce pas du tout ça, merci. Il euh, faut que j'aille dans les médias. Voilà, je voulais vous montrer le, le, le chargement d'une image. Et comme je ne l'ai pas encore fait, je ne sais plus, on déclenche un, un accès au, à la bibliothèque de médias je ne sais plus non ça marche pas comme ça flûte 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 euh, punaise quand ça veut pas hein. Alors, évidemment je me suis encore gouré sinon c'est pas drôle ça j'ai retrouvé ce que je veux, je veux vous mettre en lien c'est parfait j'ai retrouvé le voilà je vais vous mettre le lien aussi Alors, que je vais me mettre au début tac tac voilà bah, décidément deux claviers en même temps c'est trop pour moi Hop. Voilà, ce lien sur Fusarena euh, reprend euh, les fameux PDF euh, sous la forme d'un du, site web, donc ça peut être ça peut être pas mal. D'accord, donc c'est peut-être parce que voilà, je viens de regarder rapidement, alors que je vous réactive, j'ai oublié de vous le montrer, c'est l'occasion. Euh, hop pas du tout euh, tch 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 tch. Ben alors quand ça veut pas ça veut pas je me mélange encore entre la manette et le clavier et des fois ça ne fonctionne pas hop là ah, c'est juste que ah, ça y est, je sais ce que je fais de faux. Voilà. Je voulais vous montrer le, le clavier euh, qui est celui que vous avez sur l'écran euh, euh, normalement. Voilà. Sauf que j'ai mélangé deux trucs. Donc c'est un peu crado comme ça et je ne sais pas comment on en ressort. Voilà. On va faire comme ça. Donc, je vous montre l'écran parce que au moment normalement où je vais arriver entre les parenthèses, vous avez la touche média qui a brillé là aussi. Vous le voyez brièvement là briller brièvement euh, avec le joy con je peux aller sur le, la touche média et de je sais pas si on peut avoir le raccourci clavier j'ai repéré une page qui donne les quelques raccourcis clavier euh, comment je clique dessus comme ça voilà ça m'envoie dans la partie média toc Ouais, il manque encore des. Alors donc là c'est parce que j'en ai pas créé, donc ça le fait pas. Si je vais dans Alien Outcast, voilà il y a des exemples. Je peux aller là dedans. Euh, des... ouais, on va aller choisir un diamant, un magnifique euh, diamant, euh, un magnifique diamant orange. Et il me dit, alors je vois pas parce que j'ai le commentaire au milieu, c'est Y pour récupérer. Voilà. Et ça me fait 3. Moi je veux bien, mais j'ai comme un doute. <laughs> On va voir ce que ça donne. Je suis pas, pas convaincu là. Euh, ouais, je suis pas convaincu du tout même. Enfin je je copierai l'exemple le, que j'ai sinon. Ouais, ça ça m'étonne qu'ils me mettent un chiffre quand même. Ça m'étonne. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, je vais faire redisparaître le clavier pour l'instant. Vous voyez mieux l'écran. Et puis, bah, bien sûr, on va pour créer artificiellement euh, ce qui se passerait dans le jeu. Vous êtes dans votre boucle avec update. Euh, et, hop, donc là, ça devrait. Ouais, il n'en veut pas du 3. Euh, donc il y a un truc que vous voyez, je ne l'avais pas fait. Donc euh, je risquais pas de le faire correctement. Et ça ne m'a pas raté. Euh, si j'essaye. Est-ce que ça marche ça Hop, Ce qu'il y a dans l'exemple. Il faut que j'arrive à voir mon écran en même temps que je recopie. Hop. Hop, deux petites secondes, voilà. De toute façon, quand je ferai le tuto, je testerai cette partie-là, évidemment, mais ça aurait été dommage que je rate rien pendant un live quand même. Voilà. Et après, alors pourquoi l'instruction false euh, Ça veut dire qu'on n'applique pas de filtre, parce qu'il y, y a une notion de filtrage qu'on peut appliquer aux images. Voilà. Alors eux, ils conseillent de faire un clear. On va le faire, moi, je ne suis, suis pas compliqué. Hein. Et ça ne marche bien pas. Hein. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui ne le fait pas. Je sais pas ce que j'ai raté, sûrement quelque chose d'important. Euh, peut-être que j'ai pris trop loin, oui, c'est peut-être que je suis la, déjà au 11e tutoriel quand je fais ça, donc euh, c'est probable qu'il faut d'abord euh, créer la, la, la librairie. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ou alors si je lui fais comme ça, on va essayer autre chose. Hein. Hop, je remets le fameux clavier. Hop, on y va. Euh, on va essayer une autre. Si celle-ci si ne a pas réussi, on va en essayer une autre. Et je pense que c'est la façon d'aborder le. Voilà. Hop, les icônes. Hop. Là, ils me disent bien d'appuyer sur Y, paste single tile into code, et ça me met 49. Donc je pense qu'il y, y a un truc que j'ai vraiment pas saisi dans la façon d'aborder, ouais, parce que ça, ça demande un nom, euh, une chaîne de caractères. Bon, mais bah, c'est pas très grave. Hein. Hop. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment super sympa. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit que je vous montrerai je... oh, On va faire un petit tour vite fait. Alors média, c'est juste... Euh, voilà. Si c'est la touche F2 en fait, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Média pour F2. F1 pour LED. Euh, il doit y avoir d'autres euh, d'autres raccourcis. Si, voilà, F6 pour l'image editor. Select project, ça me permet d'aller dessiner une image. Euh, si on fait comme ça, tac, voilà. on dessine une nouvelle image, on lui donne un nom, Hop. et après on se retrouve dans un éditeur euh, euh, qui permet de, de gérer euh, un tracé au Joy-Con, donc je vous laisse deviner euh, comme ça doit être génial, j'espère qu'il y a des accessoires qui permettent de faire ça mieux parce que ça va vite être limité, je sais pas comment ils ont, enfin eux aussi ils doivent avoir accès à autre chose. Faut que je vois sur le forum si y a des astuces. J'en ai pas trouvé jusque-là, puisque visiblement on peut vraiment rien importer, donc euh, je sais pas trop. Bon, euh, c'était pour faire le test quand même avec le programme. Hop. Je vous dis que dessiner la souris tu ne l'as pas beau pas fort, mais alors au Joy-Con. Voilà. Donc là on va considérer que notre chef-d'œuvre, notre chef-d'œuvre est prêt. Il l'enregistre. Si je retourne dans la partie code. Entre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais oublié de m'inquiéter de ça. Le Mac est redescendu à 60, 68 ⁇ C'est un miracle, c'est produit. Donc ça doit être quand il est avec la webcam qui chauffe. Bref. Ouais, il faudrait un, <laughs> un pantographe réducteur. Ah, c'est pas comme ça. Un pantographe réducteur qui joue... Euh, euh, sur les Joy-Con, euh, le tout monté en Lego, euh, programmé avec le pack de chez euh, Yaboom. <laughs> euh, toujours est-il que je voulais essayer là, voir ce que ça donne si je reviens là, que je reviens avec le clavier, qu'on accepte d'aller dans les médias. On va aller dans les médias de notre programme. On va voir si ça marche mieux. Eh ben, Il ne les trouve pas, pourtant je viens de le créer. Bon, ben ça fera l'objet. Euh, ça fera l'objet de toute façon d'un tuto, puisque j'aurais besoin de savoir comment ça marche et euh, j'aurais besoin de pouvoir vous l'expliquer. Voilà. Je vais redécaler le clavier pour reprendre un peu le contrôle de tout ça, comme dirait l'autre. Hop ah, c'est marrant ça. Donc quand je suis en... Ouais, parce que j'ai pas mis ma caméra sur le côté donc vous avez pas vu ma tête tout le long ouais. d'habitude je remets ma sale tête en même temps mais c'est bien comme ça ça vous a fait des vacances ah, bah, le Mac il a décidé que tout allait bien aujourd'hui voilà. très bien c'est parfait ça me va je touche à rien je vais prendre des photos de comment je suis installé euh, bah, j'espère que ça vous a plu euh, comme euh, petite overview euh, je vais s'il y a euh, le moindre intérêt pour euh, Fuse 4 moi je vais de toute façon m'amuser avec vous inquiétez pas pour moi euh... N'hésitez pas à, à me mettre, comme je vous ai dit, des commentaires. Alors, soit, euh, je ne sais plus comment je l'avais mis là, tiens, je l'ai toujours là. Ouais, si. Vous pouvez m'écrire euh, des emails, il n'y a pas de souci. Hein, Titimobi@gmail.com. Vous pouvez, euh, bah là, la chaîne Twitch, vous la connaissez. Là, c'est la chaîne YouTube. Si vous regardez le replay, vous êtes dessus. Et. Hop, vous pouvez aller sur Twitter aussi pour me contacter avec la Mobi Et euh, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez vu, alors j'aimerais aussi savoir si c'est plus pour vous ou pour des enfants, euh, parce qu'on ne fait pas de la même façon. Alors Alex, Alex qui s'excuse, donc je suis sûr que le commentaire du dessus, je me suis fait vaner. <laughs> D'accord. Eh ouais, tu vois, il n'y a pas que moi qui m'embrouille avec le clavier. <laughs> alors tu nous as fait, alors je ne sais pas ce que c'est, c'est un clip de, sur Twitch. Il faut que je repasse par là. Qu'est-ce que tu m'as montré? me Tarsian, Asian Glow. Titi parlant chiffré. D'accord, tu as fait un clip. Ah, j'ai pas saisi ce que tu avais fait là sur le coup. Parce que vu l'URL, elle est toute bizarre. C'est un clip qui atterrit sur ta chaîne Ou euh, tu as clippé un moment où je m'étais emballé Je euh, j'ai pas, pas mis mes... Euh, j'irai écouter, promis, j'irai écouter. Je vais, je vais me faire gronder, regarde. J'ai je, je, pas mis mes écouteurs. Euh, oui, oui, c'est sympa. Bien sûr, il faut approfondir. Euh, si je dois faire des tutos, je repartirai de la base mais euh, en fonction de qui euh, me fera des commentaires euh, soit sur Discord, soit sur Youtube soit tout ça euh, j'adapterai en fait euh, si c'est des gens qui ont déjà des petites bases de code si c'est les enfants si c'est... Euh, voilà, c'est pas la même chose euh, donc cross-platform, pas du tout euh, Alex, c'est absolument pas cross-platform c'est uniquement euh, Nintendo euh... Et alors, euh, voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, un dernier coup d'œil. Euh, c'est ce qui était intriguant, c'est que visiblement dans leur historique, ils ont... Euh... Ouais, mais ça, ça me ramène sur la page, j'arrive pas à trouver les références. Il y aurait un fuse, mais sur Raspberry. C'est ça? c'est dommage qu'ils mettent pas un petit historique euh, je vois pas d'historique sur leur site euh... j'irai creuser ça et puis je vous en parlerai dans la prochaine émission par exemple euh... ouais parce que visiblement il y avait, euh, il y avait des... des breadboards euh, dans le forum, ils m'ont répondu que ça concernait euh, quand Fuse était sur Raspberry mais j'ai pas de lien sur le site ni rien, de toute façon ils ont arrêté de le, de le fournir, je sais pas ce qu'ils en faisaient exactement mais j'irai creuser parce que s'il y a quelque chose dans le même type, ça peut être intéressant de, de faire des exemples qui marchent euh, de l'un à l'autre. Class Fuse Raspberry Solution for the Classroom. Voilà, il suffit que je dise que je vais avoir terminé et qu'on va boucler pour que vous mettiez les liens sympas. Hein? Bravo! Alors, je vais essayer de récupérer tac par là. Hop, ici, le lien de que B-Box nous a partagé. Voilà. Fuse Case. Alors c'est un all-in-one. Ah oui mais c'était... D'accord, c'était du hardware. C'était du hardware, un boîtier. Enfin qui contenait la Raspberry et tout. 180 boules. Il n'y a pas de photo. Moi je dis, il faut mener l'enquête. Ouais mais 179 livres, c'est qu'il devait y avoir... Euh, euh, le boîtier, les cartes, le clavier, euh, enfin un peu comme j'avais pour... Euh, on a toujours pour mixtine on a des, les PyTop Seed qui sont une intégration qui permet de faire des choses euh, tout en un avec la Raspberry qui est accessible quand même mais qui est déjà intégrée, donc c'est peut-être ce genre de produit qu'ils avaient. Donc je mènerai l'enquête. Ben voilà, je voulais vous montrer Fuse, je vous ai montré Fuse. Euh, je sais que j'ai un setup euh, alors je, qui... Quand un miracle se produit, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, le Mac ne chauffe plus, c'est très bien, c'est parfait. Euh, je, je vous ferai deux, de toute façon euh, au moins le minimum, c'est à partir du 11 juin un tour avec euh, Game Builder Garage, ou Garage Game Builder, je ne sais même dans quel sens c'est, qui sort le 11 juin chez Nintendo. Euh, ouais, l'image elle passe bien avec l'acquisition, ça, ça passe super bien. Je peux faire comme les vrais sur Twitch. Un hein, Rappel avant, c'était pour faire des, des sessions de jeu sur Twitch. Euh, je vous ferai la démo de ça et puis si, a, si ça accroche, s'il y a des gens que ça, ça intéresse, je referai euh, soit des lives, soit des émissions, soit les deux, je sais pas, autour de Fuse 4. Euh, avant qu'un skit, une dernière chose euh, j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais partir un petit peu en vacances une semaine, donc euh, pas d'émission la semaine prochaine et, euh, et on se retrouvera donc euh, euh, le 20. 4 mai, qui doit être le lundi de Pentecôte, est-ce que j'aurai le temps de faire une émission Il serai rentré, donc il est probable que je recommencerai le 24 mai. Voilà. Euh, je passerai entre-temps de façon sur le Discord, donc euh, je vais le remettre une dernière fois, même s'il est dans le replay, généralement je le mets. toc euh... Ouais, je pense que ce sera de bonnes vacances. Tranquille dans la pampa corse, on sera très bien. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord si vous avez d'autres questions sur Fuse. Vous pouvez mettre des commentaires si vous regardez la vidéo sur YouTube après coup. Et puis j'essaierai de faire des montages un peu propres et des émissions peut-être un peu plus courtes sur des sujets plus courts si, si ça vous branche. Passez une excellente journée. Euh, bonne fin de semaine si euh, je ne vous reparle pas d'ici là. Et bonne semaine prochaine également si vous ne passez pas par le Discord. Ah mais la micro-coupure, j'y crois pas, c'est pas vrai, c'est un bluff. <laughs> On va vite s'en aller. Allez, bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.